Depuis quelques semaines, on est entre meilleurs potes et on traverse l'Afrique avec notre vieille Volvo 240. Ce qu'on adore et ce qu'on déteste à la fois avec cette aventure, c'est que jamais rien ne se passe comme prévu. On prend la route dès le matin comme d'habitude, mais aujourd'hui, malheureusement pour nous, on se fait arrêter. On va aller rigoler, on a le temps, il est tôt, donc no regret. Apparemment, les bagages que l'on a dans le coffre sont mal fixés et les vitres teintées sont interdites. N'étant pas vraiment d'accord avec ces lois complètement inexistantes, on prend la direction du commissariat. Non, on peut pas aller au commissariat ? On négocie avec le sergent, colonel en chef. Oui, c'est comme ça que ça se passe ici, tout se négocie, et après quelques minutes, on obtient un gain de cause. On reprend la route, et cette fois-ci, c'est sur de la piste. Mais par contre, le spot sur lequel on arrive nous réserve quelques surprises. Bienvenue au bord du fleuve Gambie. On a trouvé un petit endroit de paradis pour faire le bivouac juste au bord de l'eau, se reposer, nager et pour tout simplement profiter du paysage. Mais attention, parce qu'apparemment, on n'est pas tout seul. Il était bien mis sur le spot qu'on pouvait entendre en tout cas les hippopotames et qu'il fallait pas aller nager dans les parties profondes parce que potentiellement il y avait des crocodiles.